Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique. Nous sommes sur Outlast 2 et nous en sommes à l'épisode 10. Oui je sais, je mets énormément de temps entre chaque épisode et j'en suis fort désolé. Mais ça y est, j'ai reçu une bonne nouvelle après 6 mois d'attente. Je vais enfin avoir la fibre optique, enfin... Ça, je le savais déjà, hein, je vous l'avais déjà annoncé. Mais j'ai mon rendez-vous et je sais quel jour le technicien vient la poser. Je préfère pas vous dire de date pour pas me porter la poisse. Parce que vous me connaissez, j'ai énormément de poisse sur pas mal de choses. Donc, en attendant, apprécions cet épisode. Je vous ferai de toute façon une petite vidéo. Et bienvenue dans l'horreur d'Outlast 2. Ok, donc on est enfin dans la mine. Il nous en a fallu du temps pour arriver dans cette mine. Je vois strictement rien. Ok, il nous a fallu pas mal de temps, bah 9 épisodes, hein. Et on doit retrouver Lynn qui est dans la mine. Et c'était pas sans problème. Il nous a fallu autant de temps. Je ne vois rien. Ah ! Putain ! Son con ! Ça commence dès le début ! Ok. Ok, ok. Là, la bouche pâteuse, elle est déjà présente. Waouh ! La chaîne ! La chaîne, elle est montée. Ok, là-bas, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Ok, donc je suppose que c'est par là. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Oh putain, c'est quoi ce bruit? J'entends des sortes de voix. Oh mon dieu! J'entends Lynn. Ok, là on a quelque chose. Alors, soit je vais derrière, soit je vais... Je ne comprends pas. Bah, on va aller là. Je n'ai pas compris. J'avais le choix. Écoutez, j'avais le choix. Je sais pas trop ce qu'il y avait derrière. Ah très bien, d'accord, donc j'ai cru nager pendant 100 mètres, mais en fait pas du tout. Pas du tout, est-ce que je peux repasser à la surface? Donc je suppose que c'est par là. J'en ai strictement aucune idée, j'avais deux chemins possibles. Là je suis dans le full aléatoire. Ok, il y a quelque chose ici. Je peux passer? Non, je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer par là. Et là par contre on a quelque chose, ok. Ok, on a une échelle. On a une échelle, donc on va la descendre calmement. Avec... Quoi? Juste désorienté. Tu me l'as déjà dit, ça? Ok, c'est le gars de l'école. C'est le prêtre pédophile. Je ne sais pas où il est. Ah! Ah! Je regarde pas. Je regarde pas. Je me sens en sécurité. Arrêtez ce bruit. Arrêtez cette musique. Oh, putain de merde. Ok. Il y a des pics. C'est des pics. Enfin, des branches. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Donc là, il y avait quelque chose. Il y avait le gars dans les rêves de l'école. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça vient de se boucher. À l'instant. Quel est ce subterfuge? Est-ce un sortilège dont je suis témoin? Ok, on a quoi là? Je sais qu'on a quelque chose. Non, on a rien du tout. Je sais rien du tout. Oh putain. Je me disais, j'entends marcher, c'est chelou. Ok, donc c'est par ici. Par ici la sortie. J'ai déjà la bouche pâteuse. Hein. Ah bah là, on est au maximum de la... Merde. Ah bah oui, les gars. Si y a des dessinateurs parmi vous, envoyez-moi mon célèbre skin avec la bouche pâteuse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est terrible. Je veux un maximum de bouche pâteuse. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que j'ai filmé un truc. J'étais pas concentré. D'accord. Oh, on dirait l'attaque des titans. Non, on dirait un titan, frère. Bon, on peut dire que... Bah, on va pas dire qu'il a la peau sur les autres parce qu'il a pas de peau. Qu'est-ce qu'on rigole. Ok. Bon, on va regarder la vidéo qu'on vient de filmer. Parce que peut-être qu'on va apprendre des choses littéralement incroyables. C'est parti. Ils ont vécu ici. Non. Pas vécu. Je devais trouver Lynn. J'espérais ne pas l'avoir fait. D'accord, je ne comprends pas. Tu comptes diffuser ce reportage où? Parce que... En parlant comme ça, c'est pas compréhensible. C'est clairement pas compréhensible. Là, on a quelque chose, non? Ah, il y a des traces. Toujours suivre les traces de sang dans le jeu. Si j'ai bien appris quelque chose sur Outlast 2, n'ayant pas fait le 1, je sais pas si le 1 ça se passait pareil, mais toujours suivre les traces de sang dans ce Outlast 2. Je sais pas si, voilà, je sais pas si le 1, il y avait aussi des traces de sang. N'hésitez pas à dire en commentaire hein, s'il y avait un max de traces de sang. Ah! Putain, t'aurais pu me faire peur. T'aurais presque pu me faire peur. Ok, là on est pas mal, on est pas mal les mecs, on continue. Là à l'heure actuelle, je vous avoue, me procurer
un maximum de plaisir. J'ai pas trop envie de descendre, on va pas se mytho. Ok, là on a quelque chose. D'accord. J'entends un bruit. J'entends un bruit. Oh là 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 là, faut utiliser H24 sa caméra. Je peux déverrouiller quelque chose. Ok. Ah! C'était quoi? Oui, j'ai crié, je ne sais pas pourquoi. J'entends quelqu'un marcher. Je ne sais pas du tout pour quelle raison j'ai crié. Mais c'est la musique. Ok, on a... Oh, une pile. Impeccable. Quoi? Monsieur? D'accord, je crois que j'ai... J'aurais peut-être pas dû ramasser cette pile. Hein. Ça a réveillé un gars. Ça a réveillé un gars. Et je sens que je vais pas passer une très bonne journée. Quelqu'un? Je ne comprends pas. Je peux aller là ou pas? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est chiant. Là, il y a quelque chose. Ok, c'est là où j'ai trouvé la pile, me semble-t-il. Non? Qu'est-ce que je fais là? J'ai peur. Hein. Je suis en peur permanente. Là, là, il y a un bruit. Il y a un bruit plutôt obscur. Qui grossit. Hashtag bouche pâteuse. Ok. Quel est ce bruit? Quel est ce bruit qui vient d'ailleurs? Ok, il n'y a rien. On va passer par ici. D'accord, je ne... Jusqu'ici, hop, je verrouille. Voilà, on va déverrouiller, c'est chiant. Ok, j'ai plus de batterie, c'est ça? On va reload. Je ne comprends pas. Hein. Je sais pas du tout où je vais. Quel est ce bruit? J'ai peur. J'ai peur, je cours. Ah! Putain, j'hallucine. Allez. C'est derrière moi. Et je cours. Je me raccroche à la vie. J'ai trop de balles qui fait du bruit. Il est passé? Je peux réouvrir? Il n'y a plus la musique. Ah! Ah! Quel est ce fuck? Putain, je suis dans l'eau. Il est où? Il est là. Vous le voyez? Moi je le vois. Oh putain, j'ai peur. Faut qu'il parte le monsieur là. Je crois que je me suis enfermé dans la terreur. Nous sommes donc... Monsieur, faut me lâcher! Mais je ne... Oh bah d'accord, je retourne dedans. Hop, allez, maintenant c'est chiant. Ah! Oh mon dieu, mais non! Mais quand tu prends un coup... Mais voilà! Quand tu prends un coup, tu sais plus où t'habites, cousin. C'est chiant! Putain, les mecs, développer un jeu correctement! J'ai... Quand tu prends un coup, tu fais un... Quoi? Mais bip! Bip! Ah! 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 Je m'en fous, j'y vais. Oh mais non, mais bah oui, bah... Oh là là, les gars, depuis quand t'as des jumeaux, toi? Tu m'as pas mis au courant. Putain, on se fait enculer dès le début, c'est chiant. Ok. Ok, donc oubliez, il y a quand même le sexe explosé, hein, bien évidemment. Un maximum de sexe pour ce bonhomme. Elle est où, les gars? Et je cours. Je me...
raccroche à la vie. Comment je peux passer? Je peux en passer un. On a bien réussi à le faire, mais en passer deux, ce n'est pas possible. Mais, en fait, comment je peux? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment je peux passer, en fait? Ah, d'accord, j'ai peut-être une idée. Ah, non, c'était pas ça, mon idée. Allez, maintenant, faut arrêter les conneries. On va passer... Voilà. Hop, on va ouvrir. Voilà. On va repasser par ici. Ah, non, c'était pas là. C'était où? Je comprends rien. Je comprends rien, je trache, j'en ai rien à foutre. Il y aura le deuxième normalement, il y a son frère. Je ne comprends pas. Tête de ma mère, viens, c'était là. Ah! Quel est ce sortilège? Je suis passé? On va se cacher. On va reprendre notre souffle. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Ok, d'accord, il y a quelque chose. Oh, il y a un bébé dedans. C'est incroyable. Ok, je peux aller là-haut. Attendez. Attendez, ça sert à quoi là, ce que je fais là? Ça, on peut faire quelque chose? D'accord. Donc je suppose qu'il faut l'envoyer là-haut, non? Attendez, je peux aller à gauche. Je ne comprends pas. Non, mais écoutez, j'y vais. J'ai l'impression qu'il y a des chemins différents si à chaque fois. Si tu as fait quelque chose, quoi? Je veux que tu me le dises. Non, je n'ai rien fait. Et toi, tu as fait quelque chose? Je peux te le dire, mais... Monsieur, quoi? Il s'est passé quelque chose de mystique à l'instant. Ok, on a une lettre. Ah, bonjour monsieur. Ok, chapitre 14. Quel est ce bruit qui vient d'ailleurs? Ok, je vous laisse lire, hein. J'ai peur. J'ai peur, les mecs. Trouvez donc, l'aine. 3 bandages, 5 piles, je suppose, parce que j'ai changé de pile tout à l'heure. 4 ou 5 piles, ok. On continue. C'est par où? Là, il y a quelque chose, ça doit être par là. Ok, c'est par là. On continue, les mecs. J'essaie d'économiser un maximum de batterie pour me procurer un maximum de plaisir. Je passe à côté d'un squelette, tout va bien. Mais comment ils sont arrivés là? C'est-à-dire qu'il y a des mecs comme moi qui ont essayé avant, mais pourquoi ils auraient essayé? À quel moment tu te dis, vas-y, viens, on va dans la mine pour se procurer tous ensemble un maximum de plaisir? Ok, c'est pas grave. Écoutez, si quelqu'un a des réponses. Parce que c'est bien dans les jeux d'horreur de mettre des cadavres partout, c'est sympa. Mais quand tu mets un cadavre quelque part, ça veut dire que forcément, quelqu'un est passé par ici avant. Et alors pourquoi le mec a vécu une aventure aussi épique que moi pour mourir ici? C'est terrible. Ou peut-être que les squelettes, c'est tout simplement mes anciens cadavres. Et je suis dans un multivers, un monde totalement parallèle. Je vais peut-être loin, je sais. Mais j'adore aller loin. Ok, il n'y avait rien. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose. Est-ce qu'on a un infini? Car à ce que vous voyez, petits yeux, elle est tout là-haut. Regarde avec amour. Car à ce que vous voyez, petits yeux, elle est à ce que vous touchez. J'ai pas de caméra, je vois un truc, mais. Car à ce que c'est bizarre. Vous touchez, petite main. Car le père est tout là-haut. Regarde avec amour. Car à ce que vous touchez, petite main. Là, c'est chaud. Gare à tout ce que tu dis, petite bouche. Gare à tout ce que What? Tu dis, petite bouche. Quand j'ai la caméra, mais c'est un truc de ouf. Alors oui, bon, voilà, ça a installé une mise à jour. Quand j'ai la caméra, c'est on voit ça. Et quand j'ai pas la cam, on voit une porte. Mais c'est totalement dingue, 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 dingue. C'est... Mais on dirait... C'est la même porte, mais pas du tout la même. Bonjour, monsieur. Oh, il est posé. Il est posé calmement. Tiens, on va regarder un petit peu ce que cette vidéo... Là, à tout moment, je m'attends à un screamer. À tout moment, les gars, je me dis qu'il peut y avoir un screamer. Ok,
C'est fait, ça a permis de save. Regardons cette vidéo littéralement. Je pouvais déjà les entendre. Je savais pas si c'était réel. J'ai vu le squelette du fœtus au fond de sa cage thoracique. Quoi ? Il y a un squelette de fœtus là-dedans ? Alors attendez, ça m'intrigue, c'est pour la science. Hein, c'est ça, vous croyez ? Parce que je... Ah ! Il est là, le fœtus ! Ah oui ! Donc, ok, alors attendez, j'essaye de trouver la position. Bon, il a arraché par derrière comme Jaja. Hein. Ah, voilà, voilà, là on a une bonne position. Ah, là les gars, c'est une position, il l'a arraché comme Jaja. Ça partait très vite en porno, ça partait très vite en porno. Par contre, mourir dans cette position, ça me déplairait pas, les gars. Hein. Ça me déplairait pas. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais en tout cas, je préfère mourir comme ça que tout canner dans un lit tout seul, là. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ce subterfuge ? Oui, on revient sur le mot subterfuge, hein. Ok. Faut que je me baisse ou pas? Oui, faut que je me baisse. Ok, on a quelque chose. Quelque chose par là. Faut que je tombe? Ok. Ah, ah putain. Qu'est-ce que vous avez fait, Aline? Où est-elle? Nous sommes des créatures d'appétit. Je veux sentir ta faim. Alors, elle prend quand même le temps de maquiller son visage, apparemment. Pas mal. La semence va brûler. J'aimerais ton tuto make-up parce qu'il est, il est pas mal. Où est Lynn ? Brûle. Je me réjouis de notre seigneur enfant, nu, qui ne cache rien. Alors, je peux bouger la caméra, hein, je le comprends. Je retire ce masque. Espèce de taré ! Je montre mon vrai visage. Montre-moi. Montre-moi ton vrai visage. Ok, mets un casque. C'est sympa cette petite couronne, j'apprécie. Tu te fais belle pour moi, bébé ? C'est quel est ce... Ah bah d'accord, bah alors lui il a fermé sa gueule instantanément, hein, y a pas une possibilité. Quoi ? Attends, je joue là. Elle me suit. Elle me suit. Elle me suit. Elle me suit, putain, je l'entends. Oh putain. Oh putain. Je sais pas où je vais, c'est du total. Ah, allez à toi ! What ? Je suis mort ! Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah d'accord, putain ! Oh, j'ai eu tellement peur, mon personnage il s'est mis dans la position pour se plaquer contre le mur. Oh, j'ai stressé. Oh putain, c'était terrible. Ah bah c'était sans doute le pire moment d'horreur. Il s'est rien passé, hein, mais c'était un moment d'horreur quand même. Ok. Il est venu le temps des cathédrales. Ok, on a quelque chose par là. Ah ! Le Christ que nous méritons. Tabasse pas les portes, cousin. Regarde. Ok. Trousse de soins. Totalement vide. D'accord. Ok. Donc c'est par là, je suppose. Ok, oui, c'est clairement par là. Bon, on continue les poteaux. Trousse encore totalement vide. Là, j'ai l'impression de me faire arnaquer. Après, j'ai pas besoin de me soigner. Ah, des petites piles, ça serait pas mal, par contre. Ça ferait plaisir. Pas vous cacher que ça ferait plaisir. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, on a de la lumière. Seigneur, ces fils sont sous tension. D'accord, on a quelque chose. D'où vient leur putain d'électricité? Il doit y avoir un moyen de couper. Suivre les câbles, hein, je suppose. Comme tout jeu. Je peux aller dans l'eau, là? On a un truc là. Ok. Ah, ça continue. Je fais quoi? J'y vais ou je peux y aller là? De quelle façon on va pouvoir par là? Je vais me baisser. Ah! Putain. On a quoi là?
Changement de batterie. Moi j'attends pas, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que je fais de ça? Ah! Ok. Ok, on a éteint. Il en reste ou pas? Il a l'air de rester des fils. Je fais quoi? Je pars. Elle est là. Madame. Ok, ensuite. Je peux y aller? Je vais mourir là. Je sais pas si je peux y aller en vrai, la vérité. Si, j'y vais ou pas? Je sais pas où je vais. Je vois de la lumière. Quel est ce sortilège? Les gars. Mais je vais mourir! C'est chiant! Ah d'accord, très bien. Putain. On est bon là, mais je suis passé normal, genre. D'accord. Allez, c'est parti. Je pense qu'à mon avis, il y avait qu'un interrupteur. Enfin, genre, on pouvait appuyer que sur un interrupteur. Et c'était bon. Bon, j'ai fait les deux par préco. Quoique, regardez, il y a deux chemins de câbles. C'est possible qu'on réactive des interrupteurs plus tard, à mon avis, aussi. Hein. Ouais, parce que les câbles s'arrêtent pas. On suit la lumière. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a un wagon. Attendez, attendez, on peut aller derrière aussi. Il y a trop de double chemin, là. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qu'on a là? On n'a rien. Ah si, peut-être. On peut monter ou pas? Attendez. Non, il n'y a pas de bouton. On peut se cacher. Non, il n'y a pas de bouton. D'accord. Je pensais qu'on pouvait monter, mais que nenni. Donc, il n'y a rien à faire, là. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de bonus. Il n'y a que dalle. Oh, putain, j'ai cru que ça, c'était quelqu'un. Là, il y a une issue. Bah non, je viens de là. D'accord, ok. Bon, bah, il n'y a rien à faire pour le moment. On continue tout droit. À chaque fois, il y a des doubles chemins, mais ils sont de plus en plus ambigus. Si on peut dire ça comme ça. Ok, attendez, on va voir où on va. Ouais, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu lui as fait? Quoi? J'ai rien fait. Promis, j'ai rien fait. Tu ne peux te cacher de secret. Ouais, il m'embrouille. Ok, si je fais ça. D'accord. Y'a quelque chose? Attendez, y'a un signe là. Danger, ne pas passer. Mais alors pourquoi on peut changer ça? Ce serait ridicule. À moins qu'il y ait quelque chose là-haut. On va aller là-haut. Ok, il n'y a rien du tout. Hein. C'est terrible. Hein. Terrible pour le joueur thaïlandais. Hein. Et en plus, c'est fermé. Putain, ils mettent jamais de soin. J'ai pas compris là, attendez. Ok, j'ai tourné ça. Donc ça veut dire que le train ira tout droit. D'accord. Est-ce que je peux le remonter pour avoir plus d'élan? C'est une bonne question, ça, non? Putain, j'ai eu peur avec le son. Ok, on va le remonter. Je me retourne, on sait jamais. Il n'y a rien. Je peux le remonter. À quel moment je dois le lâcher? Là, je peux le lâcher, là? On remonte encore. Hein. Tant que ça monte, les gars, c'est qu'il y a un maximum de plaisir à prendre. Ok. Et là. Hop, je lâche. Ça part très vite, ça part très loin! Boum! Quoi? Monsieur? Ah! Oh putain! Ok! Je suis passé, on peut continuer. Ça s'est très bien déroulé pour le moment. Putain, droite ou gauche? Faut suivre les fils? Ok, ouais, faut suivre les fils. Toujours suivre les fils, d'accord, très bien. C'est une nouvelle trace de sang. Ça vient de sortir dans les bacs. Attendez, parce qu'on fait le malin, mais les gars. 3 ou 4 piles, il me reste, hein. Ah non, attendez, 3, 4, 5. Il me reste 5 piles. Elles sont grave entassées. Il y a du sang. Ok, je crois que je peux prendre l'échelle. Et bah, de toute façon, je crois qu'on va prendre l'échelle, il n'y a pas le choix. Ok. Bon, pour l'instant, il se passe pas mal de choses quand même. J'entends respirer. Attends. Pardon. 800 pieds, mon équipe. T'es pas déjà à 800 pieds en fait tout à l'heure? 800 ou même 900 en fait, Dieu ne t'aime pas. C'est pas gentil. Pas comme je t'aime. Vas-y, aime-moi. Ah! Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je l'entends. Je l'entends, je suis super lent. Je suis super lent, mais je l'entends. Ah! Vous avez vu sa lampe torche? Ok, donc ça, c'est le boss des mines. Je l'entends encore. Je suis super lent, mais comment ça se fait?
Elle est toujours derrière moi. Elle est toujours derrière moi. Elle ne me lâche pas. Faut courir. Je ne peux pas courir. Monsieur, vous êtes totalement dingue, Blaine. Putain. Elle est à gauche. Elle est à gauche. Je l'ai vue. Ok. Je peux pas tomber là, on est d'accord. Ah! Ok. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Des gens viennent de tomber. J'entends des gens tomber. Ok, on va là-bas. Il y a quelqu'un à ma gauche. Il y a quelqu'un à ma droite. Ils sont partout. Faut aller vers la lumière. Je vais vers la lumière. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi tu fais une attaque? C'est pas le moment. Fais pas ça. Je peux plus courir, c'est sérieux ça. Ça a enculé ma jauge de... d'endurance. Je comprends pas, putain, mais je suis où, merde. Ça a enculé ma jauge d'endurance alors que... je courais même pas. Genre le mec marchait dans l'eau, il est là, il est épuisé. Ça va aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne comprends pas. Faut aller où? Ok, c'est par là, c'est bon. J'allais m'énerver, hein. J'allais m'énerver, j'allais tout casser. Ok, on va peut-être remettre la caméra finalement. Alors là, faut être non-stop caméra dans les mines, c'est terrible. Les piles, elles partent très très vite et j'en ai pas de rechange. C'est très chiant. Ok, on va passer de la lumière. J'aime la lumière. On a quelque chose. Ok, je vous laisse lire. Ah, c'est difficile de lire. Mettez pause. Voilà. Oh putain, mon ombre qui m'a fait tellement peur. D'accord. Ok, je sais pas. Je repars là? Attendez. Attendez, quelle est cette arnaque? Quel est ce subterfuge? Ok, je dois repartir, je suppose. Mais c'est con, pourquoi moi? Pourquoi? Ouais. Hein? Et là? Un effort! Ah, il y a une échelle! D'accord, ok. Je prends volontiers. Je prends volontiers, d'accord, une échelle. Elle mène où? J'en ai strictement aucune putain d'idée. Sûrement l'étage supérieur de cette mine. Qui paye pas de mine d'ailleurs. Ah, qu'est-ce qu'on rigole, putain! C'est l'épisode de la rigolade! On ne s'arrête plus! On prend un maximum de plaisir à rigoler! Ok, je me suis baissé. Faut se lever maintenant, mec, c'est chiant. Ok, je cours. Hein? Encore une échelle? Il y a quelqu'un en haut. Vous l'entendez? Vous l'avez vu? Elle est partie? Faut attendre qu'elle parte, peut-être. D'accord. Bouche toujours aussi pâteuse. Un maximum de pâte dans la bouche. Ok. C'est par ici cette fois. Oh non, retombe pas. Retombe pas parce que je vais vivre un très mauvais moment. En cas de chute inopinée. Qu'est-ce que je fais? Ok. Où je suis là? C'est par là? Mais... on m'a donc trompé. Tous les signes me disent que c'est par là, mais ce n'est pas la vérité. Ok, il fallait encore sauter, d'accord. Mais encore un double chemin. C'est incroyable. Ok, on va aller par là. Selon... ça a sauvegardé. Ok, il y a les câbles, donc c'était par là. De toute façon, ça a sauvegardé. Je retourne en arrière, on va voir ce qu'il y a là-haut. D'ailleurs, on peut peut-être même pas y aller en final, si. Ah, on peut pas. On va pas, je vais pas tenter le diable, les gars, parce que si je tombe, ça va me saouler. On continue notre petit chemin. Et on va voir un petit peu où il mène. En espérant. D'accord. Ok. Il y a de moins en moins de bruit, c'est très bizarre. Ça peut arriver d'un coup à tout moment. Ok. On va descendre. Ce jeu est un enfer. Ok, il y a quelque chose à faire. Je descends. Ah! Oh putain, encore! Qu'est-ce que c'est fait? Monsieur? Je peux marcher? Quoi là-bas? Ok, donc je dois y aller, je suppose, hein, de toute façon.
faire ce qu'il faut. Il est venu. Le fruit de ta lecture, ton enfant, ton père, le Christ que nous méritons. Regarde. Oh mon Dieu! Je regarde. Lynn! Blake! C'est ma femme? Ah, je l'ai retrouvé! Bah, qu'est-ce que tu fous là? Descends! Ça te faire mal! Lynn, descends! Oh! Non! Lynn! Je suis plus forte que toi! Qu'est-ce qu'on rigole? Arrête, c'est chiant! On avait dit pas les fesses! Pas avant que tu répondes! Non! Ok, mais tu dois abandonner! Si tu dis que j'ai gagné, je te lâcherai! Ok. Mais tu dois le dire! Ok, ok, c'est tout! Tu m'as eu! T'es une chif molle, Blake! Ah, d'accord! Retraite-moi une fois de chif molle, charge! Ok. Ok les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Et bientôt la reprise de une vidéo par jour sur la chaîne principale. J'ai tellement hâte les amis. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez frissonné. À très bientôt pour notre épisode 11. Bisous tout le monde, ciao ciao.